Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire un rituel, j'ai le okay, pour attirer son attention. Si un homme ou une femme se détourne de vous, si vous n'avez plus d'appel, pas vraiment d'attention, pas vraiment voilà, que cette personne vous soit distante, eh bien, ce rituel est parfait dans cette situation-là. Alors, n'oubliez pas que vous pouvez me contacter pour des rituels personnalisés que je ferai à votre place ou pour les formations de loi d'attraction, les rituels secrets. De toute façon, tout est sous la vidéo dans la description et en premier commentaire, pardon. Donc, m'envoyez un petit message, un petit email ou un message WhatsApp. Donc, alors, je vais vous dire ce dont vous aurez besoin. Vous aurez besoin, décidément, j'ai loqué. Vous aurez besoin d'une bougie. Vous aurez besoin d'une assiette. Vous aurez besoin d'un papier. Vous aurez besoin de parfum. Et de... Non, pas de cannelle pour celui-là. Le parfum, si vous n'avez pas de parfum, c'est pas grave. Vous pouvez mettre du déodorant en spray ou en roll-on, mais c'est mieux quand même d'avoir le parfum. C'est quelque chose que vous devez porter, en fait. Vous voyez? Que vous portez sur vous. Donc ça, on va le mettre ici. Voilà. Alors, donc, on va démarrer. Mais avant ça, n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer mes livres de coaching sur Amazon. Vous tapez Faraquet, vous tomberez sur tous les livres. Comment sortir d'une relation toxique en 21 jours. Éviter de replonger. Ce sont des rituels de coaching. Des rituels, du coaching, comme si j'étais avec vous. Comment devenir enfin fatal en 21 jours et le rendre fou amoureux. Nous avons aussi la formation en livre de la loi d'attraction, le premier tome en tout cas, avec des secrets jamais révélés sur Internet. Et on a les trois tomes de rituels que vous ne trouvez pas sur YouTube. Alors, on va démarrer. Alors, en première chose, vous allez mettre du parfum sur votre poignet. Alors, voilà, mettez parfum sur votre poignet. Ensuite, on va prendre le papier, ça c'est un papier un peu trop grand. Je peux encore le plier encore une fois. On va enlever les bords. Le papier ne doit pas être trop grand. Hein. Voilà. Et on va écrire le nom de la personne et son prénom comme ceci. Voilà, donc vous allez mettre le nom et le prénom de la personne comme ceci. Ensuite, vous allez prendre le papier dans la main, ok, pour vous mettre vraiment toute votre énergie. Et vous allez réciter, après moi, au nom du soleil et de la lune, je veux que tu l'attires à moi. Je veux qu'il ou qu'elle m'appelle et m'accorde de l'attention. Aucune attention à une personne qui ne soit pas moi. Merci, merci, merci. Vous allez le répéter encore une fois. Au nom du soleil, en frottant comme ça vos mains, au nom pour bien mettre votre énergie sur le nom et le prénom, au nom du soleil et de la lune, je veux que tu l'attires à moi. Je veux qu'il m'appelle ou qu'elle m'appelle et n'accorde aucune attention à une personne qui ne soit pas moi. Merci, merci, merci. On va encore le répéter une troisième fois. Au nom du soleil et de la lune, je veux que tu l'attires à moi. Je veux qu'il ou qu'elle m'appelle et n'accorde aucune attention à une personne qui ne soit pas moi. Merci, merci, merci. Ensuite, on va allumer la bougie.
bougie. Voilà. On va prendre, donc vous aviez mis du parfum. J'adore, j'adore. Vous avez mis du parfum sur votre poignet. Vous allez prendre le papier et frotter où il y a écrit le nom et le prénom. Vous allez le frotter comme ça, comme ceci. Voilà. Et vous allez répéter à nouveau. Au nom du soleil et de la lune, je veux que tu l'attires à moi. Je veux qu'il ou qu'elle m'appelle et n'accorde aucune attention à une personne qui ne soit pas moi. Pardon. Merci, merci, merci. On va le répéter encore une autre fois. Je veux qu'il m'appelle, au nom du soleil et de la lune, je veux que tu l'attires à moi. Je veux qu'il ou qu'elle m'appelle et n'accorde aucune attention à une personne qui ne soit pas moi. Merci, merci, merci. Donc, vous répétez ça 3 fois. Ensuite, vous allez prendre la bougie et alors attention, vous allez brûler ce papier, mais pas complètement. C'est vraiment un tout petit peu. Donc, faites ça et ensuite, vous soufflez dessus. D'accord ? Donc, vous restez avec ça. Ça va un peu brûler. Mais c'est pas grave. Donc, vous allez laisser le papier à côté. Il va y avoir des cendres. Les cendres, on les jettera ensuite. N'oubliez pas de faire 2-3 fois le rituel pour que vous ayez vraiment la bonne énergie. Donc, c'est pas fini. On attend que le papier soit plus chaud, puisque quand vous le brûlez et que vous allez souffler dessus, hop, vous allez voir que vous allez encore avoir des petites traces rouges, donc il ne faut pas le toucher parce que ça va brûler. Donc les cendres, vous les laissez là. Ça, on n'en aura pas besoin. Ensuite, ce papier-là, vous allez le plier une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Voilà. On plie le papier en 3. Vous allez vous retrouver avec ceci. Et ça, ce papier, vous allez le porter sur vous jusqu'à ce que la personne donc soit attirée. Enfin, en tout cas, vous avez l'attention de cette personne, mais pas seulement une fois, que ce soit donc une fois, 2 fois, 3 fois, que vous sentiez que c'est bien, bien, bien ancré, en tout cas, et que la personne a compris qu'elle manquait d'attention vis-à-vis de vous et qu'elle a compris que c'est vous la personne qu'elle veut. Donc j'espère que vous aurez aimé ces rituels. N'hésitez pas à me contacter. Prenez aussi votre atelier gratuit. C'est dans le i en haut à droite. Et prenez cet atelier gratuit, regardez-le parce que ça vaut vraiment la peine pour réussir vos rituels, que ce soit plus rapide aussi. Et on se retrouve pour un prochain rituel.